Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Astronir. Enfin, d'Astronir. J'ai fait la même chose dans le présent épisode, je commence à me rouiller. Bref, on va aller chercher cette fois-ci donc du cuivre brut, si on en trouve encore, hein, puisqu'on peut voir ici qu'il y a beaucoup d'aluminium brut. Mais en termes de cuivre, j'ai eu du mal. Enfin, j'ai crois que j'ai pris tout ce qu'il y avait à récupérer dans le coup. Oh putain, j'ai du bol. J'ai un bol monstrueux. J'étais à un pouce de récupérer suffisamment de cuivre. Et donc, ce cuivre, on va le faire pousser, littéralement. On va le mélanger, le créer, le bidouiller. Quitte à, d'ailleurs... Voilà, vous voyez que ça c'est pas complètement rempli encore, je pense que je peux encore faire un petit peu de mon mieux. On va pas hésiter alors dans ce cas-là. Vu que ça ne prend pas. Voilà, on a pu récupérer un peu plus de... Ah, il est pas fini le dernier. Ok, donc on y va, on balance, on fait péter. Et donc là, normalement, il devrait me créer moult malachite, effectivement. Là, j'avais du cuivre, là, encore. Il remplit les trucs. Remplis-les tous, hein, que ce soit bien joli. Non? Bon bah... C'est pas complètement rempli. Tristesse. J'aurais peut-être dû le laisser dessus en fait, ça se trouve ça aurait fait un peu plus. Ok, cool. En tout cas, on a réussi à trouver ce qu'on voulait. Je vais remplir maintenant... tout ça de malachite. Malachite, malachite, je sais pas comment vous le dites. Moi j'ai envie de dire malachite à la base, mais malachite ça me rappelle Thor. Film Thor. Bref. Alors vous voyez qu'en termes d'énergie on s'est stoppé puisque j'imagine qu'on n'a plus rien en termes énergétiques. Et je récupère deux cuivres sur lesquels je vais aller d'abord placer un petit peu de ressources organiques là-dessus pour qu'ils puissent... Merde. Excusez-moi. Non. Voilà, venir ici. Et ensuite je vais créer le fameux panneau solaire de niveau 2. Qui lui va être beaucoup plus performant en termes énergétiques, je pense, que le petit. Sans conteste. Même si là, à l'heure actuelle, il ne le sera pas. Effectivement, faut reconnaître les choses. Ok. Donc on est bon. On est plus ou moins bon. Je pense maintenant qu'on va pouvoir commencer à continuer la recherche. Tout en persévérant dans l'amélioration de la base. Et pour ça, je vais retirer le minerai ici, que je vais caler juste, donc, pas ici justement, mais bien derrière. Que je comprenne bien que c'est là que je vais ranger mes affaires, si je puis dire. J'ai toujours mon échantillon ici, qui est très très bien à sa place. Il sera extrêmement utile, et surtout maintenant, on va commencer à remplir un petit peu. Hop. Voilà, la base. Et je vais laisser... Disons que je vais laisser... j'ai une barre d'énergie en plus, que je n'utiliserai potentiellement jamais, donc je peux la poser pour la nuit. Je présume, voilà, j'ai bien fait. Ok. Et donc je garde deux composites sur moi, plus la résine en question pour éviter de la perdre, et on va les remplir des canisters à nouveau. Pour ce faire, je vérifierai bien qu'il n'y ait pas un trou quelque part. Ou alors, dans ce cas-là, je vais faire encore une ellipse dans le temps. Et je vais continuer à approfondir mes trous. Ce qui va me permettre de récupérer ma canister. Et je vous retrouve une fois que c'est fini.
Ok, chers amis, du coup, je pense que je vous ai passé ça en timelapse un petit peu pour que ça aille un peu plus vite. Vous voyez que je vais dépasser en fait le milieu, enfin la partie graduée. Et je la dépasse un peu, et en fait je pense que quand j'aurai rempli les deux, ou quand je, si je remplis les deux, je vais avoir le double, vous voyez, je vais pouvoir le refaire une deuxième fois. Je vais donc le faire tout de suite. En plus le soleil se couche, donc c'est plutôt bon de le faire tout de suite vu que je profite encore un petit peu de l'énergie solaire. Quoique non, j'en profiterai pas à la fin. Vous voyez, il va tout remplir, il en reste. Et donc je pense que le reste va pouvoir me servir à continuer si je le souhaite. Du coup, c'est pas perdu, si je puis dire. En tout cas, même visuellement, c'est intéressant, regardez, je trouve. Ok, cool, on est bon. On a donc un petit peu plus de résine. Et cette résine va nous servir par exemple à construire... tiens, d'ailleurs, on va peut-être même la construire de par là. Quoique... De toute façon, si, on va être obligé de la construire de par là. Mais ce sera... Vous allez le voir... Toujours en épi, si je puis dire. Je sais pas combien il m'en reste en place sur moi, une seule. Ok. Donc là, nous sommes à la moitié, précisément, d'une nouvelle branche, si je puis dire, sur laquelle j'espère pouvoir caler. De quoi construire peut-être le quai des véhicules. On verra. Ça me tente, mais ça va vraiment être une nécessité aussi un petit peu à la manière d'avant. 1, 2, 3. Donc ça va être sur celle-ci que je vais pouvoir construire quelque chose. Qui elle aussi se retrouve un petit peu sous terre, c'est un peu dommage. Voilà. Sans recherche, on l'a déjà. Imprimante moyenne, on l'a déjà. Fonderie, on l'a déjà. Quai des véhicules, on l'a pas. Extracteur de minerai, on l'a pas. Pardon. Catalyseur d'hydrazine, on l'a pas. Va sûrement être nécessaire si on veut faire une station spatiale. On n'y est pas encore. La première station que je veux faire, premier quai des véhicules que je souhaite faire, est un quai des véhicules terrestres pour que je puisse me déplacer plus simplement sur cette planète. Je pense qu'il y a moult objets de recherche à faire et à trouver. Du coup, autant en profiter un max. Aluminium, en voilà un petit peu ici. Je sais que j'en ai un deuxième quelque part. Là. Voilà. Hop. Rien que pour le fait d'explorer la planète, ça va être beaucoup plus pratique. Le tout reste de savoir comment il va gérer le terrain. Comment il va gérer le terrain. Comment il va gérer le terrain. D'aplatir un peu le terrain qui reste. Pour que je puisse partir de manière correcte en véhicule. C'est plus compliqué que prévu. Merde, c'est pas ce que je voulais faire du tout. Essayer de trouver un moyen de partir, vous savez, sans trop... Ok, qu'est-ce que t'es là, qu'est-ce que tu fais là, toi? Appelez. Ok, j'ai une plante qui veut rester en l'air, pourquoi pas. Et je remarque que j'ai laissé un gros trou juste à côté. Génial. Bref. Hop, vas-y, construis-toi. En tout cas, une chose est sûre, c'est que je suis pas mécontent de cette rampe. Donc si je peux la prolonger, par exemple, ce serait pas mal. Je pense qu'elle saura refaire le bord en plus. Voilà, c'est parfait. Donc j'ai une espèce de rampe. Cool. Bah c'est bien, ça correspond à ce que je cherchais. Je vois qu'on a... Ah non, il continue. Cool.
Alors, je comprends pas pourquoi il s'est fait recharger d'un seul... Et d'un seul coup, ça s'est arrêté. Bon, pourquoi pas. Peut-être remettre un petit peu d'organique dans la machine. Ça doit être là, par là. Je présume. Ouais, je vais aller en chercher un petit peu ici. Crac. Ça va me permettre de gagner un petit peu de temps. Quand je vois la distance que fait l'énergie pour arriver jusque là. Cette blague. Oui, bonjour. 4 composites pour le rover moyen, c'est tout ce que je peux faire à l'heure actuelle. Il va falloir 2 de plus. Crac. Rover moyen, c'est fait. Il va nous en falloir plusieurs, hein, que je puisse me balader un peu plus, comme vous avez, comme vous me l'avez conseillé, vous, chers amis d'ailleurs, au passage. Donc, reste à savoir, donc là par exemple il veut pas aller plus loin, donc il faut que je récupère véritablement un truc, une place, mais j'en ai pas. Donc je devais devoir l'imprimer, et il faut que je regarde le combien il coûte à imprimer. L'impression, ça se passe là-bas. Non, l'impression c'est pas là. L'impression c'est par où? L'impression c'est là-bas, tout simplement. Panneau solaire. Forêt. Une place. Nécessite 2 composites. Heureusement que j'en trouve en quantité intéressante. Un instant. Voilà, chers amis, excusez-moi. Hop. Une place à ciel ouvert. Parfait, il peut me le construire ici. Tant mieux. Hop. Il me fait donc mon module de déplacement. Parfait. Prochaine chose à construire, qu'est-ce que ce sera? Ce sera sans doute le panneau solaire niveau 2. Celui-ci. Pourquoi? Ah oh, mince, encore une tempête. Pourquoi? Parce que comme ça je le mettrai à l'arrière, puis comme ça je pourrais emporter aussi d'autres rovers, on va dire, entre guillemets, d'autres remorques. Enfin, d'autres rovers à remorquer, tout simplement. On va expliquer ça le plus précisément possible. Donc, d'autres rovers à remorquer, tout en gardant une capacité de régénération d'énergie disponible dessus. Voilà. Moi, je vous laisse là pour cette vidéo. Merci de l'avoir. En tout cas, c'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Je vous rappelle que j'arrête parce qu'il y a une... une putain de... de tempête à chaque fois. Toutes les 20 minutes, à peu près. C'est chiant. Salut les gens.